m'a promis qu'il ferait tout ce que je voudrais. Monsieur Gorgibu, je vous prie de le faire venir ici et je vous conjure que ce soit en particulier qu'il me demande pardon. Parce que sans doute, il me ferait sans opprobre, sans honte et sans opprobre devant tout le monde. Oui, Da, je m'en vais m'étirer. Monsieur, il dit qu'il est honteux et qu'il vous prie d'entrer afin qu'il vous demande pardon en particulier. Voilà la clé, vous pouvez entrer. Je vous supplie de ne pas refuser et de me donner ce contentement. Il n'y a rien que je ne fasse pour votre satisfaction. Vous allez entendre de quelle manière je vais le traiter. Ah, te voilà, coquin. Monsieur, mon frère, je vous promets qu'il n'y a point de... Je vous demande pardon, je vous promets qu'il n'y a point de ma faute. Il n'y a point de ta faute, pillé de débauche, coquin. Va, je t'apprendrai à vivre. Monsieur, mon frère, tais-toi, coquin. Je ne vous désobéis. Tais-toi, te dis-je. Qui diable c'est vos filles chez vous, frère? C'est le médecin et son frère. Ils avaient quelques défauts. Ils règlent, ils font leurs accords. Le diable en part, innocent cœur. Ivrogne que tu es, je t'apprendrai à vivre. Comme il baisse la rue, il voit bien qu'il a failli le pendard à l'hypocrite comme il fait le bon apôtre. Monsieur, dites-lui un peu par plaisir qu'il fasse mettre son frère à la fenêtre. Monsieur, je vous prie de faire paraître votre frère à la fenêtre. Il est indigne de la vue des gens d'honneur et puis je ne le saurais souffrir auprès de moi. Ma foi, ils ne sont qu'un. Et pour vous le prouver, dites-lui que vous les voulez voir ensemble. Ne me refusez pas cette grâce après toute celle que vous m'avez faite. En vérité, monsieur Gorgibus, vous avez un tel pouvoir sur moi que je ne puis rien vous refuser. Montre-toi, coquin. Monsieur, je suis votre obligé. Avez-vous vu cette image de la débauche? Monsieur, faites-moi la grâce de le faire. Faites-moi la grâce de le faire paraître avec vous et de l'embrasser devant moi à la fenêtre. Je,